Reprenez vos places, s'il vous plaît. Mời tất cả mọi người về chỗ ngồi. Ai chưa có chỗ ngồi thì cứ tự tiện ngồi cái chỗ của mình. Vì bây giờ là giờ khởi sự bắt đầu về cái chương trình hướng dẫn thập chỉ điểm tâm. J'ai le plaisir de vous présenter mon maître vient du Việt Nam, Monsieur Du Quan Châu. Il y aura bien évidemment qu'il y a ses élèves sont là autour d'ici. Nous sommes en Europe, en France, et il y en a d'autres aussi, viennent de d'autres pays Europe. S'il vous plaît, monsieur, venez tous ici pour que je vous présente. Venez. Il y en a qui viennent de Bruxelles, monsieur vient des États-Unis, monsieur vient des États-Unis, et aussi monsieur qui n'est rien, tout petit aussi, c'est un de ses élèves. Voilà, donc nous sommes là pour suite d'explications, enseignements de maître, tous les. Interpréter et aussi, et les et ben vous soyez aussi. Hein, voilà. Voilà. Madame Pique, va interpréter avec vous. Maintenant, je laisse Bico. Hier, on a déjà fait le premier cours. Oui. Trước hết, hôm nay mà hướng dẫn thì sẽ. Tại vì cái phương pháp y ma mạch đó, là của bà Quỳnh Thị Lịch đó, thì nó làm giãn ma mạch ngoại vi. La technique des capillaires, la médecine des capillaires. La médecine des capillaires va nous aider à faire dilater les artères, les veines et les capillaires. Còn bây giờ thì sẽ giới thiệu một cái phương pháp mà để làm giãn mao mạch nội tạng ở trong cơ thể. Voilà. Donc maintenant, il faudrait que, enfin, il va vous montrer comment les techniques, comment faire ouvrir. Dilater, je vais dire, les artères, les veines et les capillaires. Voilà. Mà cái đó là sẽ sử dụng một cái cặp đá và cái đá đó là sẽ làm nóng và chờ mới dùng gan. Alors, il va présenter les pierres. Alors, pierre chaude et pierre froide. Les pierres chaudes, c'est pour mettre sur le foie. Voilà. Và bây giờ trước hết là sẽ giới thiệu cái cách chế biến của cái đá đó ở Việt Nam. Il va vous montrer un film comment on fabrique ces pierres au Vietnam. Les pierres viennent du Vietnam, pas de l'Europe. Mais il va vous montrer un film qui vous donne une idée de comment on fabrique ces pierres. Les gros blocs de pierre, on fait tout à la main. C'est pas une machine, bien sûr, une machine mécanique, mais encore manuelle. À partir des gros blocs de pierre, parce que c'est artisanal. Voilà. Premier, on a un gros bloc. La pierre, au départ, on coupe, comme vous avez vu tout à l'heure,
il faudrait couper, on dessine un cercle et qu'on coupe le, selon le cercle en premier. On s'assure que ce soit toujours identique. Les pierres doivent avoir les mêmes tailles. Et bien là, il n'y a aucune différence. Thì như vậy, để trước khi mà để thành một cái cục đá thành bản chất, cái cảnh này mọi người nhìn thấy này, trước những cái cảnh như thế này, để cho cái cục đá nó có một cái hình dạng của cái cục đá mà chúng ta, cái cục đá dự tiền chúng ta làm, thì chúng ta sẽ phải cắt gọn vậy, rồi bắt đầu mới tiếp một cái quy trình, cái gì là nãy là còn cảnh, nhưng bây giờ chúng ta lại tiếp tục này nữa để xác lên cho mọi người thấy này. Là khi mà sát nữa thì cái những cái cạnh không còn nữa và nó trở nên toàn thiện và chúng ta thấy cái viên đá bắt đầu hình thành ra bóng nữa là làm cái đánh bóng và cái cục đá là bắt đầu tương đối rồi đó. Anh nhìn thấy cái cục đá bây giờ nó liền lạc hết rồi và chúng ta có thể nhìn thấy cái máy đánh này tiếp đến chúng ta thấy đây là một cái bàn chảo như thế này và đặt lên đây như thế này đánh lên một cái viên đá nó trở nên là liền lạc như thế này để một cái cục đá chúng ta có thể mà để ở chúng ta sẽ thấy là những viên đá bắt đầu là chúng ta để khô rồi chúng ta sẽ lau sạch sẽ cái viên đá là coi như là viên đá này đã trở thành là viên đá thành phẩm rồi và như vậy chúng ta có cái cục đá dự trì để mà sử dụng. Ta chúng ta thấy đây là những cái đá thành phẩm cái này thì như vậy từ một cái công đoạn ban đầu những cái tảng đá to và chúng ta cắt rồi mài rồi đũa vậy để trở được có những cục đá đẹp như thế này. Quand on lit, il faut faire sécher après. On fait sécher et après, il faut bien nettoyer pour que ce soit propre. Parce que quand on lit, la surface, il y a encore, comment dire, la surface un peu rugueuse au départ. Hein? Tranchons au départ, il faut bien polir et après nettoyer. Nào là cái công việc chúng ta làm là cũng là tout hết. Mọi người thấy cái cảm để được có những cái viên đá tốt thì đây là những cái viên đá mà có cái dấu hẹo hoặc là chút xíu nứt là ta đã bỏ lại một đống như thế này thì chúng ta thấy như vậy là rất là công phu nhìn sơ những cái đá tốt. Une fois qu'on a bien polir les pierres, il y a également une question de qualité. Il faut choisir les pierres ayant la même taille et qui ne présentent aucun défaut. Le bloc de pierre que vous avez vu tout à l'heure, c'est une fois qu'on a regardé s'il n'y a pas de qualité, la pierre présente des défauts, on laisse le côté, on ne prend pas. Donc la fabrication des pierres, n'est pas, c'est simple, parce que c'est artisanal, mais après la sélection de la pierre, il faut sélectionner. Et quand vous nous voyez, ici, toutes les pierres se ressemblent, en fait. On a la même taille, et pas de défaut. Il est du mais c'est pas simple. Il est du bas, il y a beaucoup de la valeur. C'est simple, mais c'est beaucoup de la valeur. C'est pour ça que vous avez vu tout à l'heure. Quand on fabrique, une fois que la pierre est fabriquée, il faut regarder si c'est présent. Quand on coupe, on sait bien qu'à l'intérieur, vous avez parfois des veines. Vous savez, la pierre présente parfois des veines. Et ces veines-là, une fois qu'on coupe, il faut qu'on vérifie. Est-ce qu'il n'y a pas un défaut? S'il y a un creux, s'il y a une veine un peu plus apparente, à ce moment-là, il faut enlever. Donc, on laisse de côté. Ça s'appelle digipondure de la pierre. Exactement. Et pour quelle raison? Alors, vous avez une pierre, mais vous allez utiliser deux pierres, une paire de pierres. Alors, il faut que ce soit aussi équilibré. Hein, si vous mettez la pierre sur l'estomac, vous prenez les deux, vous mettez là. Il ne faut pas que l'un soit plus petit que l'autre. D'accord? Hein, il faut que ce soit de poids identique. Comme ça, si vous mettez la pierre sur l'estomac, il n'y a pas de gêne. Si vous mettez sur le ventre, il n'y a pas de gêne. Si vous mettez là, il n'y a pas de gêne. Alors, imaginons qu'un soit plus important que l'autre, eh ben, c'est des équilibres. Et comme Ami a très bien dit, c'est la digiponture de la pierre, n'est-ce pas? Thủ công và mọi người phải mài với bằng tay để mà lấy được cái viên đá mà chúng ta chỉ chúng ta thấy lên nha những viên đá phải cắt như thế này c'est pas industrialisé. Vous voyez, c'est une machine, il y a aussi l'homme derrière qui prend la pierre et qui polie, bien sûr.
machines à polir industrialisées. C'est pas que des machines. Sau khi mà này xong rồi đó, mà cắt đầu xong rồi chúng ta đu thừa đứt thẹo gì đó, mà bây giờ bỏ lên cái đống đá như thế này. Donc il y a bien sûr des chutes. Quand on coupe la pierre, il faut bien couper avec la même calibre. Donc ça, ce sont des chutes, des blocs de pierre. On a coupé, ce sont des chutes. Phải nói là để được một cái cặp đá như vậy chúng ta phải tốn rất là nhiều công phu. Mọi người xem đây những cái đá đã gọi rừng ra đó, mà bỏ ra đó, bỏ lên đây mọi người thấy là bao nhiêu cái công lao hay bao nhiêu cái sức lực, nhưng mà cuối cùng cũng phải bỏ hết vì những cái đá này là không có đúng cái tiêu chuẩn, bắt buộc phải là bỏ như thế. Và đây là những cái c'est-à-dire une fois que la pierre est couverte, c'est utilisé. Ensuite, c'est utilisé autre chose, mais on ne peut pas l'utiliser comme on l'utilise ici. D'accord. Cái đống đá mà mọi người thấy là gì cắt nhỏ ra là loại ra không biết bao nhiêu mà nói. Beaucoup de chutes dans un bloc de pierre, on peut dire qu'il y a 20 à 30% de chutes. Là, c'est un certificat, des certificats. Et là, c'est le certificat, parce que quand il y a un contrôle de qualité, normalement, pour pouvoir exporter, en fait, il faut demander l'autorisation déjà pour vendre la pierre et qu'il ne présente pas de défaut. Et puis, comme c'est à usage également médical, entre guillemets, il a demandé l'autorisation, et ça, c'est le certificat de proposition. Quelles sont les vertus de cette pierre? Il va vous expliquer tout à l'heure. Alors, les composants de cette pierre, alors vous avez les biotites, 3 à 5%. Muscovite, donc je ne connais pas du tout. Alors si quelqu'un connaît un petit peu, tiens pas là. C'est les cristaux. Cristal. D'accord, 4%. Et feldspath, kali, 1%. Et puis vous avez le feldspath dans 68 à 69%. Anne, c'est cristal. Et après, on a les différentes compositions. Là, le cristal, c'est plus 68 à 69%. Voilà. C'est pour montrer qu'il n'y a pas de problème. Dans les pierres, c'est l'important que tout le monde qui pose la question actuelle, c'est des rayations. Vous voyez, quand on prend une pierre. Actuellement, c'est le problème actuel quand on pose la question sur les pierres, c'est des rayations sur les pierres qui l'a contaminé par l'uranium, tout le qui reste. Et ça, il se montre qu'il n'y a aucun signe ou aucune trace de radiation. Voilà. Ça, c'est plus important quand on travaille sur une pierre. Voilà. Donc, ça veut dire que la pierre, elle est pure. Elle est pure. Il n'y a pas de radiation, quoi que ce soit. Voilà. Ça, c'est le certificat, parce que quand on travaille sur les pierres, normalement, il faut qu'on dise exactement les composants de la pierre, comment elle est. Enfin, c'est un petit peu ça, son acte de. L'acte de naissance de la pierre, je ne sais pas comment dire, mais c'est vraiment pour certifier que la pierre n'est pas éradée.
Khi mà dùng cái phương pháp bằng vào bình thường làm cho giãn cái mao mạch ngoại vi thì sau đó tôi nghĩ đến cái chuyện mà làm cho giãn cái mao mạch nội tạng thì mới phát hiện ra cái vụ đá này để mình dùng. Pour faire dilater les artères, les veines et les capillaires, c'est comme ça qu'on a découvert qu'il faut utiliser la pierre chaude. La pierre chaude va permettre à faire dilater les artères, les capillaires. Thực ra là tôi cũng mong muốn có một cái phương pháp làm sao mà được giãn cái mao mạch nội tạng, vì nguyên tắc của nó đó, nếu như mà ai có một cái giải pháp mà làm giãn được mao mạch nội tạng và toàn bộ trong cơ thể thì cái tuổi thọ là rất là cao, như nói hôm qua 120 tuổi. si on applique correctement la technique, on va dire pour dilater, ça dilater les veines, les artères, les capillaires, et bon, on peut vivre plus longtemps. Parce que comme hier on a vu, les artères sont bouchées. C'est pour ça que vous avez parfois des AVC, parfois vous sentez, vous avez la migraine, il y a peut-être quelque chose qui se bloque quelque part, ou vous avez mal à l'endroit. Maintenant, si on fait dilater les capillaires et les artères, eh ben, ça va permettre à ce moment-là le sang de mieux circuler. Et vous, peut-être vous allez vivre jusqu'à 100 ans. Ah oui. Ah oui. Est-ce qu'il y a un risque de se dilater? Pardon, je suis désolée, c'est la façon dont je me suis exprimée qu'il a trop dilaté. Donc d'avoir les vaisseaux trop dilatés, peut-il y avoir des conséquences Une hémorragie, par exemple. Non, je ne pensais pas à ça. Non, je pensais que c'est un mauvais fonctionnement. Mais moi, je pensais que c'est pour parce ça. Parce qu'on est trop... Vous pensez aux jambes lourdes ou pensez à quoi? C'est un tissu qui... Non, ça, je pensais pas à ça. Thì con cá nó có một sự co giãn rất lớn, cho nên là khi mà mình chồm vô thì nó làm nóng, để nó làm cho nóng dòng máu, và cái màu nó giãn ở một cái điều kiện nhất định thôi, rồi tự động nó điều hòa trở lại, chứ không phải là nó giãn luôn. En fait, la dilatation, vous savez, le corps il se répare lui-même. Le corps humain est très intelligent, c'est-à-dire à un moment donné il va être dilaté, mais il s'arrête, il va pas. C'est pas une expansion, c'est pas une dilatation. Le corps, il se dit là jusqu'à un moment donné et puis ça s'arrête là. Oui, mais ça peut avoir des conséquences ou pas? Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.